Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, à la demande de Jean, je vais regarder ce qui a pu arriver à deux chanteurs très connus. En tout cas, connus par ceux qui s'intéressent au rock. Voici la question que me pose Jean. Il me dit ainsi, pourriez-vous, s'il vous plaît, réaliser un tirage de cartes ou de runes sur ces deux compositeurs interprètes de groupes de rock américains ces deux stars sont mortes à quelques mois d'intervalle, ils étaient amis. Tous deux se sont-ils suicidés ou ont été suicidés Ils étaient tous deux très préoccupés par la pédophilie qu'ils dénonçaient ardemment. En fait, Jean me parle de Chris Cornell et de Chester Bennington. Alors, pour votre information, en mai 2017, Chris Cornell a été retrouvé pendu, laissant derrière lui sa femme Vicky et leurs trois enfants. Il a été découvert avec neuf côtes cassées, du sang plein de mur, et il avait subi un traumatisme crânien avant de mourir. Sa mort a été officiellement déclarée en suicide. Pour Chester Bennington, qu'on a retrouvé lui aussi pendu, le bureau du coroner de Los Angeles a mis 130 jours pour publier le rapport d'autopsie. Ça paraît euh, ça paraît fou. Ça paraît fou et on peut se demander effectivement qu'est-ce qui a pu se passer Ont-ils vraiment pris la décision de se suicider ou ont-ils été aidés vers ce funeste destin Regardons ensemble. Alors, on va essayer. Vous, savez, vous voyez, je ne fais jamais de, de réponse en oui ou non. Hein. Vous savez, je ne pratique pas comme ça. Euh, C'est pas ma version de la voyance. Mais déjà, on peut regarder quel était un petit peu comment ils voyaient leur vie. Et je vais poser deux questions tout simples. Comment était Chris Cornell dans sa vie en général avant son suicide Comment était Chris euh, Chester Bennington pardon, dans la vie en général avant son suicide? Pour Chris Cornell, nous avons une carte martienne. Mars, c'est l'action. Et regardez ici, nous avons deux coqs qui se battent. Mais qui s'opposent, ils ne se battent pas ensemble. Enfin plutôt ensemble contre quelque chose, ils s'affrontent l'un contre l'autre. Chris Cornell n'a pas les caractéristiques de quelqu'un qui va se suicider. Mars, c'est une carte d'action, c'est une carte où la personne essaie d'obtenir de, de, quelque chose et on, on connaît son combat contre la pédophilie. Là-dessus, c'était connu, hein. c'était le même combat que Chester Bennington. Euh, or, quelque part, euh, il était en... En Pleine opposition, il voulait défendre quelque chose. Ça donne pas les caractéristiques de quelqu'un qui se suicide. Et plus encore, regardez, je vous ai dit, il a eu neuf côtes cassées, traumatisme crânien, etc. On retrouve là encore l'idée de combat. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est suicidé, pas du tout. C'est pas ce que du tout l'oracle nous donne. Et Chester Bennington. Avec une carte vénusienne, la carte du plaisir, la carte de l'harmonie, il était musicien en plus, enfin, euh, chanteur du groupe Linky Park. On n'a pas là non plus l'idée de quelqu'un qui va se suicider. Au contraire, on a quelqu'un qui être triste de la disparition de son ami ça c'est une chose mais qui est plutôt dans la combati plutôt dans l'envie de vivre rappelez-vous que lui aussi avait de nombreux enfants si je ne me dis pas de bêtises il devait en avoir 8 ou 9 j'ai plus les détails en tête mais on sent quelqu'un qui est plus concerné par la vie que jamais on aurait une carte lunaire je vous aurais dit que oui quelque part on avait quelqu'un qui devenait borderline et prêt à se suicider en tout cas trop dans les émotions ce n'est pas du tout le cas de ces deux personnes. Et que même Chester, malgré la perte de son ami, euh, s'il pouvait en être affecté, ça c'est normal. Mais ce n'est pas du tout l'envie qu'il montre. Alors que s'est-il passé On va regarder comme ça, et je vais poser la question ainsi. Je réfléchis juste à la question pour bien la tourner, hein, ne pas avoir de, de bêtises. Je vais poser la question en demandant comment a évolué la situation pour Chester Bennington et Chris Cornell Comment a évolué leur combat contre la pédophilie pour Chester Bennington et Chris Cornell J'essaie d'avoir le plus d'informations possible en fait. Et quelque part, vous voyez comment a évolué leur combat. On était sur deux personnages. C'est vraiment typique de l'oracle de, de Belline. Je trouve qu'il répond toujours bien aux interrogations. Deux cœur. parce qu'il y avait Chester Bennington, Chris Cornell. Et c'était un sujet qui les passionnait. On retrouve la passion. Passion qui va avec la carte vénusienne, mais là, c'est on oublie un petit peu le septenaire. Euh, on est sur deux personnes qui sont passionnées par ce combat, qui veulent à tout prix défendre l'intérêt des enfants, on les sent concernés. Donc on ne sent pas des gens qui vont, euh, comment je pourrais vous dire, euh, qui, qui sont là juste pour faire de, du buzz, non. C'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur, un combat qu'ils souhaitent mener. Et on a deux personnages qui luttent côte à côte pour ça. Et ce qui va contre leur combat, c'est justement leur propre combat. En fait, j'ai bien posé la question de comment a évolué, le, euh, le, le, comment a évolué les événements euh, de, de ce combat contre la... De, de Chris Cornell et de Chester Bennington. Pardon, j'en bafouille. Mais on voit bien que ça les a desservis de mener ce combat. Et qu'il y avait des choses qu'ils ne devaient pas faire. C'était deux personnages très médiatisés. Chester Bennington avec Linky Park était en une progression plus que fulgurante au fil des années, depuis très longtemps. C'est un groupe qui avait énormément de poids. Et là, quelque part, on a l'impression que... Euh, bah, avoir mené ce combat n'était pas ce qu'il fallait pour qu'ils puissent le mener au, à jour. C'est paradoxal. En fait, ils ont mis le doigt dans l'engrenage, ils ont mis le doigt dans un système qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas mettre le doigt dans l'engrenage de ce combat contre la pédophilie. Ils se sont mis beaucoup trop d'ennemis de, à dos. Je vais aller au bout du tirage et je reviendrai ici pour... Avoir des caractéristiques sur leurs ennemis. Et, et vous voyez, finalement, c'est rejoint ce que je vous disais le conseil, c'était de rester chez eux et de ne rien faire. Difficile de, de, de leur en vouloir de ne pas avoir suivi ce conseil. Ce genre de combat, effectivement, ça leur tenait à cœur ils ont voulu aller au bout des choses. Si vous ne connaissez pas Linky Park euh, ou ce qu'a fait Chris Cornell avec Soundgarden, je vous encourage à écouter, peut-être euh, n'apprécierez-vous pas leur musique, euh, mais essayez d'écouter leurs paroles, essayez d'écouter ce qu'ils font. Découvrez-les a posteriori. Mais là, ça rejoint bien le fait que jamais, jamais, pour leur sauvegarde à eux, ils n'auraient dû mener ce combat. Encore une fois, vous voyez, là quelque part, j'attends avant de libérer cette carte, quelque part ça nous met déjà sur la piste de se dire s'il ne, ne devaient pas commencer ce combat et que ça leur apportait préjudice, la thèse du suicide avec les cartes précédentes ne tient pas vraiment. Et vous voyez pourquoi c'est intéressant de faire plusieurs petits tirages, d'avoir une impression globale pour ne pas dire de bêtises. Et ici, nous avons les émotions qui apparaissent. Vous voyez que quelque part, bon, ici, effectivement, on sent les deux personnages liés quand même avec cette carte de la table. Il y a, il y a, un, même, euh, il y a un même point de vue, si vous voulez. Pas, je ne dirais pas que c'est un même combat qu'ils nous donnent. C'est un même point de vue où ils aimaient se retrouver. Ils étaient très proches. On sent avec la table cette idée de proximité entre les deux. Cette idée de proximité, mais regardez ici. Euh, quelque part on les fait taire, on leur souffle suffisamment fort dessus euh, pour étouffer un petit peu leur, leur voix. Donc à la question de Jean, quand Jean me demande si on les a suicidés ou s'ils se sont suicidés, euh, on sent bien que quelque part on les a fortement aidés. Mais moi ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est qui s'opposait à ce que les, euh, les deux chanteurs Essayez de faire. Et là, vous voyez, nous avons la carte appui. La carte appui, c'est une carte jupitérienne. C'est l'idée d'avoir quelqu'un de puissant, mais d'avoir quelqu'un qui, qui, qui continue à s'opposer à tout ce qui peut euh, aller de ce sens. Et on a quelqu'un qui a régné sur le monde or, là, pour moi, nous avons un président, un président américain, un président des usa, avec cette, cet aigle qui est là, n'oubliez pas que euh, la symbolique euh, du, du drapeau américain de, du pays américain euh, Oh, j'en bafouille, j'en suis désolé. Euh, la symbolique des États-Unis, c'est cet aigle avec euh, la tête blanche. là Je ne sais, sais plus comment il s'appelle, euh, mais c'est l'aigle américain que l'on voit dans, dans plein de représentations. On a l'impression ici d'un aigle qui règne sur le toit du monde avec cette sphère ici et puis la tête couronnée. C'est un président. Oui, c'est l'entourage, c'est un président américain qui, qui, qui a tout fait pour aller contre ces deux chanteurs. Or, on sait bien de qui on parle par là. Hein. On est dans le camp démocrate, hein. soyons, soyons très clairs. C'est cette idée du pizza gate qui ressort. Même si là, la carte ne nous parle pas de ça, mais c'est ce président qui, qui a été mêlé à cette affaire. Qu'a-t-il demandé sur eux? Et vous voyez que quelque part... On retrouve les cordes parce que la question que j'ai posé c'est qu'a-t-il demandé ce personnage pour les chanteurs et regardez nous avons une lyre ici une lyre ce sont des cordes si vous les voyez de près c'est une lyre qui, est... qui est qui est dessinée l'idée c'est vraiment de les faire taire avec une corde alors me direz-vous, il aurait pu simplement les étrangler. Bah oui, mais les étrangler, ça pose problème. Il y a forcément enquête. Euh, difficile de dire qu'on s'est étranglé soi-même, sauf si on se pend. Et c'est ce qui s'est passé pour les deux personnages. Chris Cornell et Chester Bennington ont été pendus. Et là, les, la carte montre bien des cordes. On les a pendus. On les a pendus pour lui faire plaisir à lui. À ce personnage, cette carte du plaisir se réfère à lui. Faites-moi plaisir, faites les terres, pendez-les. C'est vraiment ce que nous transmet l'oracle de Béline. Alors, bah si, comme Jean, vous avez envie d'en de, euh, savoir plus sur, le, sur certains personnages publics, comme Chester Bennington et Chris Cornell, eh n'hésitez pas à m'écrire sur utervoyant@gmail.com. je vous répondrai. Et je ferai le tirage si ça me semble pertinent. Et j'en refuse très très peu, hein, je vous dis tout de suite. Par contre, en ce moment, je suis un petit peu débordé. Pardonnez-moi. Je mets en général 15 jours, 3 semaines à pouvoir vous répondre. Euh, voilà, mais je vous répondrai, je vous promets, je vous réponds. Si vous avez des questions de voyance pour vous, avec des questions précises, envoyez-moi vos questions précises. C'est gratuit, je vous répondrai. Et euh, n'oubliez pas de me joindre à votre date de naissance. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, tout dépend du moment où vous verrez cette vidéo, et je vous donne rendez-vous à très bientôt.